je suis très respectueux du parcours qu'ils ont, parce qu'en plus, ils ont eu quand même deux gros coups durs à la même période. Donc, malgré une attaque qui est performante, ils ont eu des petits bugs à des moments bien précis et qui ont fait que, ben voilà, aujourd'hui, il y a un écart assez important avec les équipes de tête. Donc, rien n'est écrit hein, au jour d'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'ils vont devoir cravacher pour remonter au classement, hein, c'est une évidence. Hein. Mais quoi qu'il en soit, être encore à cette période-là, avec toutes les péripéties que je viens de vous raconter, et être encore en course sur les quatre tableaux, c'est, moi j'y respecte, c'est tout. On y va avec l'envie de jouer un match de football dans un stade magnifique. Alors on va essayer de ne pas faire comme il y a 3 ans, mais on ne va pas se prendre pour des autres et croire qu'on va refaire aussi facilement, je dirais, ce qui s'est passé en Coupe de la Ligue, par exemple, l'année dernière. Voilà. Donc il y a un juste milieu. Il faut avoir confiance en nous, ça c'est clair, mais on sait aussi que quand tu mets les pieds au Groupama Stadium, bah, tu mets les pieds chez un des gros du championnat. Donc quand tu mets les pieds chez un des gros du championnat, il faut faire attention, il faut déjà bien essuyer les pieds avant de rentrer et puis marcher tranquillement sans faire de bruit, parce que sinon ça peut les réveiller, quoi. Tous les matchs contre les gros sont toujours un peu plus excitants, c'est une évidence. Après, moi aujourd'hui, ce qui m'embête un peu, c'est de ne pas avoir toutes les armes pour pouvoir répondre d'une manière bien précise à l'équipe lyonnaise. Mais c'est la règle du jeu. On sait que durant certaines périodes, voilà, y a des joueurs qui ne seront pas avec nous et sur lesquels on ne pourra pas compter. Donc il faut qu'on fasse avec. Mais on a une équipe qui je pense, aura le niveau pour répondre présent. Et qui manque pas grand-chose, c'est une chose. J'en suis très content d'ailleurs, parce que ça prouve qu'on progresse, et c'est ce qu'on veut avant tout. Mais malgré tout, il nous manque toujours un petit quelque chose. Voilà. Donc ça se joue sur pas grand-chose, ça c'est clair. Hein. Contre Lille ici, c'était un moment important, et peut-être que les joueurs se sont mis un peu plus de pression sur les épaules, ou on a pensé qu'on pouvait faire autrement, et bien non, parce que Lille nous a fait comprendre que c'était compliqué de jouer contre une équipe qui était dans les 3 ou 4 premiers. Tout ce qui est pris contre les gros, je vais vous dire, c'est du bonus, en fait. Un peu Lyon, c'est un peu Lille. C'est un peu Lille, chez nous. On mène 1-0 et on se fait reprendre, et après on perd 2-1. Voilà, c'est des... Donc mais par contre, c'est ce type de match-là qui doit nous permettre de vraiment se dire qu'il faut qu'on progresse à ce niveau-là. D'avoir du réalisme. À un moment donné, il faut... Faut peut-être plus penser à trop jouer, mais à surtout quand tu as la chance de mener contre ces équipes-là, faut les obliger à s'exposer un peu plus. Voilà. Et si elles s'exposent un peu plus, peut-être que toi, tu auras des possibilités après. On l'a vu au match aller, malheureusement, on avait perdu. Ça va être d'autant plus difficile que c'est très bien qu'ils vont vouloir remonter au classement. Donc ça passe par une victoire pour eux demain, à domicile, devant leurs supporters. Donc après, on s'attend à un match difficile. Ouais. Ils peuvent faire tourner à chaque match, ce qui est quand même quelque chose de bien, malgré le fait qu'ils aient beaucoup de blessés. Après, nous, c'est sûr qu'on est revenu à un rythme d'un match par semaine. Je pense que c'est bien et qu'on va arriver frais pour demain. On a tout à gagner là-bas. Comme vous avez dit, c'est plutôt une rencontre où la pression sera sur Lyon. Après, voilà, je pense qu'on peut les embêter pendant le match. Après, à nous d'être bien concentrés, d'être sérieux, de jouer les coups à fond, parce que peut-être qu'on risque d'avoir un peu moins d'occasions que d'habitude, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire demain. Bah, je pense que le déclic s'est fait après le match de Brest, où là-bas on a pris une bonne gifle, on va dire ça comme ça. On avait adopté une stratégie un peu différente, on avait décidé de presser haut, et malheureusement on s'est fait contrer, on a pris 5 buts, et depuis ce match-là, je pense que c'est cohérent ce qu'on fait à l'extérieur. Certes, on joue un peu plus bas qu'à domicile, mais les résultats sont là, et on arrive malgré tout à marquer des buts. Ouais. On a hâte d'être demain, parce que ça va être un bon match. Voilà, ça va jouer sur des détails, je pense. Après, on sait que c'est une équipe qui est taillée pour être des champions. Ils sont encore en compétition, ils sont en 8e de finale. Donc, c'est toujours un bon test pour nous, comme quand on joue contre Paris, Marseille. C'est toujours des gros matchs. Mais jusqu'à présent, je pense qu'on les a plutôt bien abordés. Et à chaque fois, on a fait des prestations assez correctes. Ouais, exactement. Je pense que l'entame de match va être...
importante comme dans tous les matchs, mais encore plus demain, il va falloir qu'on soit rigoureux, que ce soit sur les coups de pied arrêtés, sur un peu toutes ces choses-là, parce que nous, de notre côté, on a vu le dernier match, si on n'avait pas marqué le premier but sur coup de pied arrêté, peut-être que le match il serait fini sur un match nul, donc les détails vont être importants.